Brian Powell of Iron Far here with Benoit Corey after his win at the 2015 Le Templier. Congratulations. Thank you. You're welcome. So you didn't surprise anyone this year. You looked great all day. Tu n'as surpris personne aujourd'hui. Tu étais au top toute la journée, toute la matinée. On savait que j'étais en forme, moi je le savais aussi. Et la course s'est passée, mais parfaitement, c'est ce que je voulais faire. Dans mes rêves, je voulais faire. Donc ça s'est passé comme ça, donc c'est énorme. It was the perfect day, the perfect race. Everything has been following so far so good the plan. So I've been very good during the whole race. So the dream that you can have during this kind of race, and the dream came true this morning. So unbelievable, I'm very happy. The race went out very quickly. Were you setting the pace, or was everybody just sprinting? La course s'est décidée très rapidement. On est tous partis très vite. Tout le monde est parti en sprintant. On était 20-30 jusqu'à 2 bonnes heures de course. We were like a group of 20-30 people until 20 km of race. On était beaucoup et du coup, moi au bout de un petit 3 heures de course, je me suis dit bon allez, accélère. After 3 hours of race, I said okay, let's speed a little bit because otherwise we're going to keep this guy. Yeah. Voilà. Et donc je suis parti et c'est là où j'ai pris une avance et on a géré. So that's where I took like So after 3 hours, yes, indeed, I said, okay, let's go. Let's boost a little bit that. And since that, I kept increasing my advantage. So yeah. And then it was good. So it was very different than last year, because last year you took the lead only at the very end. What was it like running in first place? C'est différent de l'an passé parce que tu as pris la tête seulement à la fin de la course l'an passé. Qu'est-ce que ça fait de mener tout du long? Voilà, c'était un rêve pour moi dans mon objectif, entre guillemets, c'était justement au bout de 3 heures de course de prendre la tête et de montrer que, entre guillemets, le patron c'était moi. Et voilà, c'est ce que je rêvais, c'est ce que j'aurais aimé faire, j'ai réussi à le concrétiser. Voilà, pour montrer que je peux partir de derrière, mais je peux aussi partir devant. Voilà, j'ai fait un peu de. So, yes, I followed my plan, I followed my dream. I said, okay, after 3 hours, I take the lead. And I keep being the boss of this race and see the guys who is the boss. So yeah. I planned that, I had the legs for that. So I'm very happy to have been able to follow this plan. And it didn't look like you were struggling. It looked like you were confident and strong and having fun in the lead. Yes? On a eu l'impression que c'était facile en fait en dedans. On n'a pas eu l'impression que tu as bataillé. C'était super facile. Ouais, bah oui, bah. Je savais que j'étais mieux que l'année dernière. En faisant la course, j'avais mes repères car l'année dernière je marchais et là je courais. Donc je savais que j'étais en forme et que ça roulait pour moi. En plus, avec 5 minutes d'avance, on a avancé 5 minutes assez rapidement. Et du coup, j'ai géré aussi la course. Pardon, monsieur. Ah, excusez-moi. I knew I was in good shape today, and as I told you yesterday, I was better than last year. So in the part last year, I was walking, I was running today, so I was feeling good, I was feeling confident. And at some part of the race, people told me that I had like 5 minutes of advance. So I said, okay, let's go, I'm good, and I can do it. So tell me a little bit about your training. Like when you were training for this race, what did your best week look like? C'est quoi ta plus belle semaine d'entraînement pour préparer une course comme celle-là? C'est beaucoup de vélo, des grosses sorties longues aussi, grosses sorties montagne. Ça c'est, voilà, on va dire 2 semaines avant, il faut que j'arrive à faire entre 25 et 30 heures d'entraînement à un bon rythme. Et quand ça passe bien, sans blessure surtout. Je sais que normalement la course va bien se passer. So yes, if 2 weeks before such a race I'm able to run like 25-30 hours of practicing cycling, mountain running, long distance races, I am good. So that's how do you find so much time to train? Comment tu fais pour t'entraîner? Je m'entraîne tôt le matin, après je pose des congés parce que je suis pas professionnel, donc je sais que là j'ai posé mes journées. Voilà, je pose justement des jours de vacances sur mon travail. Finisher des 21 éditions, Christian Vigneault. Ok, so what I do is that I am not a professional, so I have to practice early in the morning, late the day, or I have to take some vacations to be able to practice and to be able to follow these plans. Oh, Bruno.
On va aller. Merde. C'est pas grave. Une dernière? One last question? Yes. So you are adopted Basque. I think you'd like to drink. How will you celebrate tonight? Tu es basque d'adoption, oui. Et donc tu dois bien aimer boire. Comment est-ce que tu vas fêter la victoire ce soir? Ah bah c'est déjà en cours là, on doit être à au moins 2 ou 3 litres de bière. I'm already celebrating, so I've been already drinking like 2 and 3 liters of beer. Voilà, donc après le problème c'est que demain matin à 7h30 je dois être au travail. The big problem is that tomorrow morning at 7:30 I have to be at work. Oh. Donc on va boire un peu et on va prendre la route parce que j'ai 6 heures de route pour rentrer à la maison aussi et pas rentrer trop tard. Ouais. Mais le week-end qui arrive, je fais une grosse fête à la maison. So yes, I have to keep drinking a little bit, but then I have to take the road. I have 6 hours of driving, but next weekend I'm going to celebrate a lot. So let's go have a beer and congratulations. Oh, thank you very much. Thank you, Marie. Merci. Merci, Benoît. Ah bah, merci. Super, merci.